On va d'abord peut-être s'essayer à une définition de la permaculture, ce qui n'est pas évident parce que c'est un concept qui est en mouvement. Donc on va peut-être essayer de voir ce qu'elle dit d'elle-même et puis après de ce qu'on peut en dire d'un point de vue universitaire. La permaculture, dans ses origines des années 70, ce qu'elle dit d'elle-même, c'est d'essayer de créer des systèmes agricoles, autoproducteurs et autorégénératifs, plutôt au service de l'homme. Après, ce que nous, on peut en dire du point de vue universitaire, d'abord, c'est un mode de connaissance et d'action. Donc, ce n'est pas qu'une connaissance livresque ou qui se projette sur la nature, elle est d'emblée dans une action sur la nature. Donc, on a une espèce de construction déjà de la nature. Ou plus exactement, une espèce de réintégration à des cycles naturels et plus particulièrement à des cycles écosystémiques. Après, on peut retenir une autre façon de fonctionner de la permaculture, c'est qu'elle a une direction. Permaculture, ça vient de permanente agriculture d'abord, puis quand on s'attache à produire de la nourriture, mais aussi à produire la capacité d'habiter sur Terre, ça devient vite une culture. Donc, ça, in fine, c'est permanente culture. Et cette permanente culture, elle donne un but, c'est-à-dire une téléologie. Et ça, on peut dire qu'on est dans un mode de pratique et de connaissance qui se donne un but. Donc on a un but qu'on poursuit en action dans un système. Et la dernière chose peut-être, c'est qu'elle a une éthique qui varie, mais qu'on peut synthétiser comme ça, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager ce qu'on produit. Et là, on a des mots qui se rattachent finalement au paradigme constructiviste. Ce qui nous donne quelque chose de particulier, d'assez nouveau d'ailleurs, dans le champ universitaire, parce que le constructivisme arrive, même si Vico déjà, en expliquant que le fait et l'acte, on a déjà quelque chose d'assez moderne. Et surtout, peut-être, et c'est peut-être ce qui va nous conduire plutôt plus loin dans la réflexion, ça donne une capacité à dire que tout n'est pas joué d'avance, tout n'est pas figé et qu'on a la possibilité d'une liberté. En gros, qu'on peut échapper au TINA, aux ERISNO alternatives des années 80 qui perdurent, sans vraiment le dire, jusqu'à maintenant. Donc la permaculture a 50 ans, mais est-ce qu'elle est encore d'actualité? C'est la question qu'on pourrait se poser parce qu'elle peut être usée. Il me semble qu'elle est d'actualité à double titre. D'abord parce que elle a une profondeur de la réflexion sur la catastrophe climatique et la polycrise qui maintenant se fait jour, puisqu'on est dans le ressenti de cette polycrise. Elle nous permet de ne pas paniquer, de ne pas être dans une attitude défaitiste, puisqu'elle a toujours fait en sorte que l'action soit au cœur de son paradigme. Et puis, elle a aussi la capacité à dire des choses qui avaient déjà été dites il y a 50 ans, puisque si on reprend les choses dans l'ordre, c'est quand même Bill Mollison et Holmgren qui, notamment en voyant le rapport Meadows, les limites de la croissance, se projettent aujourd'hui en disant le monde d'aujourd'hui va commencer à être compliqué à vivre. Donc il y a cette profondeur qui nous permet d'être pas dans le catastrophisme, de ne pas non plus être dans un romantisme face à cette catastrophe, mais d'être déjà dans une action. Donc 50 ans d'existence, on peut se poser la question de savoir quels sont les résultats de la permaculture. Alors les résultats, ils sont à la fois riches, mais aussi faibles au regard du défi qui nous est présenté actuellement et qui va s'aggraver dans le futur. Riche, je pense qu'on pourra en donner des exemples plus tard. On a des belles fermes en permaculture, on a des petites communautés en permaculture. Là, on a vraiment un travail à faire. Et le premier travail, c'est peut-être revenir à ce que je disais au départ, c'est de penser la permaculture comme justement un paradigme. Et faire en sorte qu'on soit plus dans une pensée où la permaculture, c'est la butte. C'est le petit jardin en intensif, c'est le paillage, c'est la technique qui permet de... La permaculture, c'est d'abord un mode de pensée et voire un paradigme de pensée et de vie. Mais faible,
parce qu'il y a eu sur ces 50 ans une faiblesse à pouvoir collectiviser ce mode de pensée et cette vision du monde, mais on n'est pas arrivé au stade de la socialisation et de la société permaculturelle. Et bien évidemment, ce qu'on rencontre, c'est un problème de société qui agit de façon néfaste sur l'environnement. Donc, il faut absolument que la permaculture fasse ce pas vers une société permaculturelle. Donc, on va rentrer, je pense, dans une deuxième phase de la permaculture où on va être dans cette généralisation. La permaculture doit et va rentrer dans cette généralisation à la ville d'abord, à la société peut-être, mais on va d'abord s'attacher à des endroits, je pense, qui sont plutôt délaissés, mais si on parle de permaculture urbaine, qui sont plutôt délaissés, puisque les expériences de permaculture sont plutôt des expériences villageoises ou alors d'une urbanité qui est resserrée, c'est-à-dire son jardin ou son quartier à la limite. Et encore, ça ne se fait pas trop. Donc, ce qu'il faut vraiment repenser, c'est comment cette ville qui en fait est totalement dépendante d'extériorité peut retrouver de l'autonomie dans les intériorités. Je m'explique, la ville actuellement, elle ne sait pas se chauffer ni se refroidir par elle-même, elle ne sait pas s'alimenter par elle-même, elle n'évacue pas ses déchets sur elle-même, elle ne produit rien de matériel et elle a peut-être même une défaillance dans la production de ce qu'elle devrait produire prioritairement, c'est-à-dire du social et de la culture. Donc, le programme de la permaculture à l'échelle urbaine, c'est bien de retrouver cette autonomie complète d'un mode de vie qui, en plus, et d'abord, ne doit pas détruire l'écosystème lointain et plutôt recréer un écosystème local qui soit viable et vivable sur le long terme et toujours sous la pression de réchauffement climatique et finalement aussi, on a deux choix. Soit on morcelle la ville, donc on oublie la ville métropole et on crée des îlots. C'est l'exemple par exemple que donne Bolo Bolo. Et on va créer des pôles de petites communautés où on a une autonomie pas totale, puisqu'il ne faut pas tomber dans l'autarcie et l'autonomie permet une certaine résilience mais doit aussi permettre le contact avec ses voisins. Mais une autonomie suffisante pour faire en sorte de vivre bien et de ne pas dégrader son écosystème directement. Pour faire ce mouvement, il ne faut pas attendre des experts. Il faut attendre de la citoyenneté. Mais une citoyenneté qui s'organise autrement, qu'elle soit rurale ou métropolitaine ou urbaine. Et là, on n'est pas sans rien non plus. On a quand même une histoire qu'on doit revisiter. On peut citer par exemple Murray Bookchin qui explique que on doit retrouver ce sens citoyen sur des bases plus petites, en prise directe avec cette citoyenneté qui doit recréer et refabriquer ce monde. Ce qui est évident, particulièrement quand on lit Holmgren, c'est que de toute manière, ces communautés, cette société sera une société de la décroissance. Et ça implique aussi un saut imaginaire qu'il nous faut travailler quotidiennement, c'est-à-dire comment on arrive avec moins de choses à vivre plus heureux, mais dans un plus grand relationnel. C'est ce qui nous refait boucler sur la nécessité d'une citoyenneté de proximité. Encore une fois, la première vertu de la permaculture, c'est de nous libérer l'imaginaire et essayer de faire en sorte qu'on pense vraiment autrement, plus large, plus loin, et puis en fait qu'on construise ensemble. La chance qu'on a en ce moment, c'est qu'on s'attache à reformuler la ville. Alors peut-être pas de la bonne manière parce qu'on veut la densifier, la métropoliser, mais prenons cette occasion pour dire, faisons la ville sur la ville, mais différemment. C'est-à-dire, faisons en sorte que ce qui existe soit autonome par rapport à un environnement qui est complètement local. Ce qui nous amène à dire deux choses, c'est que la densification n'est pas une densification réelle, puisqu'on ne fait que densifier le loger, mais pas l'habiter. Densifier l'habiter dans le sens de la permaculture, c'est avoir la capacité de se nourrir, avoir du lien social et puis avoir la capacité à s'éduquer. On peut rajouter d'autres choses, mais il faut prendre des signes de base pour pouvoir les développer après. On a donc cette ville qui est en transformation. Elle va nécessiter, par exemple, prenons le réchauffement climatique, un rafraîchissement. Ce n'est pas la construction en béton actuelle qui va apporter ce rafraîchissement. C'est bien
des organismes, des écosystèmes près des habitations qui vont permettre à la fois de faire de la production alimentaire, de rafraîchir, de créer du lien social, enfin d'aller vers ce qu'on appelle la pluridimensionnalité de l'agriculture urbaine, mais plutôt dans une façon permaculturelle, c'est-à-dire en mettant ça en relation dans un système qui se boucle sur lui-même. Donc voilà à grands traits vers quoi la permaculture doit tendre ou peut tendre, sachant qu'on est toujours dans la recherche d'un imaginaire. Et c'est peut-être ça une des grandes leçons de la liberté du paradigme constructiviste de la permaculture, c'est débloquer les imaginaires et penser autrement, toujours dans ce but d'être dans une culture permanente. En cela, on reboucle avec à la fois des théories qui se font jour aujourd'hui, je pense à ce que exprime Thierry Pacaud, mais finalement qui reboucle avec une grande référence un peu oubliée de la permaculture, qui est Kropotkin, qui expliquait, lui, effectivement, qu'il fallait retrouver pour avoir cette citoyenneté et ce travail ensemble, cette entraide, pour reprendre un de ses titres, des petites communautés basées sur une capacité à vivre en accord avec leur environnement. C'est peut-être moins présent, mais je pense que la permaculture peut apporter ça. Et sur des technologies qui sont des technologies qu'on appellera maintenant low-tech, mais qu'on pourrait qualifier de facilement domptables. Donc des petites communautés qui s'appuient sur des outils conviviaux, ce qu'on pourra appeler des outils low-tech, qui permettent cette autonomie et finalement de se débrancher de la méga-machine qui nous met dans le mur depuis au moins l'après-guerre. Et l'une des faiblesses peut-être particulières de la permaculture, c'est d'être... C'est concentré sur l'action immédiate, certes, mais une action qui, du coup, est plutôt personnelle, individuelle, et qui s'étend au maximum à des petites communautés. Ce dont on parle, c'est d'une socialisation de la permaculture, c'est de faire un saut à la permaculture pour qu'elle intègre la société complètement. La vision de cet aménagement du territoire dont on a hérité, on va dire, de deux siècles, voire d'un peu plus que deux siècles, hein, quasiment trois siècles, depuis l'arrivée de l'école des ponts et chaussées, une pensée du territoire qui était regardée à partir des voies, à partir des déplacements, et qui n'a été que renforcée par la vision plus moderniste, on va dire celle du XXe siècle. Tout ça amène à une pensée machiniste de l'aménagement du territoire. Il y a une telle confiance qui est faite dans la machine qu'on lui donne, qu'on lui confie le lien, qu'on lui confie la relation entre les gens. Et comme la machine est puissante, comme la machine est performante, on peut séparer les gens, on peut séparer les fonctions, on peut mettre les logements d'un côté, le travail de l'autre, l'agriculture au diable Vauvert, l'industrie par ailleurs, et voilà, la voiture réglera ça, le train réglera ça, l'avion réglera ça. On sait bien que ce schéma est aujourd'hui arrivé à sa fin. On sait bien que ça ne marche pas. On sait qu'une pensée qui est tellement basée sur cette croyance en la machine ne met plus l'homme au milieu de son propre projet d'établissement humain. On voit bien que c'est la performance de la machine qui est l'enjeu, c'est quasiment plus la situation de l'homme. Et donc, le travail que nous faisons, avec une façon très engagée dans l'écologie, qui est un peu la marque de fabrique du travail de l'atelier, c'est qu'on essaie de rapprocher le monde des gens, pour le dire comme ça très rapidement. On ne croit plus du tout à la capacité de la machine à faire du lien, on ne croit qu'à la relation de l'homme et de la nature pour réenchanter cet être au monde des gens, pour reconstruire le lien absolument indispensable entre l'établissement humain et la nature. Et donc, dans cette logique de recherche d'un équilibre entre l'établissement humain et la nature, il y a une façon de penser cela qu'on appelle l'empreinte écologique. Un exemple, ici on est en Île-de-France. Hein. L'empreinte écologique de Paris est 313 fois plus lourde que sa biocapacité. Donc Paris ne sera jamais durable au sens d'un équilibre entre la biocapacité et l'empreinte écologique. Mais nous pouvons, dans nos projets, nous approcher, tenter, même réussir à faire en sorte que l'empreinte écologique de nos projets soit égale à sa biocapacité. Pour y arriver, il n'y a pas d'autre manière que de s'intéresser à la caractéristique du logement, on va dire des bâtiments, pour qu'ils soient moins consommateurs en énergie, enfin énergie grise ou énergie d'usage, quoi, énergie utilisée pour la vie quotidienne.
on ne peut pas le faire sans s'intéresser aussi aux déplacements, réduire les déplacements, donc marcher, moins de voitures, de la place pour les piétons, pour les cycles, et on ne peut pas le faire non plus sans intégrer l'accès à l'alimentation, qui est un des points importants de l'empreinte écologique. Et l'accès à l'alimentation, ben, ça passe par une présence sur l'agriculture. Bon, donc on parle de permaculture, alors, il faut quand même rappeler un petit peu quelques points essentiels sur la permaculture. La permaculture, bon, c'est une histoire déjà ancienne, puisque c'est une réflexion qui est née il y a maintenant 45 ans, 50 ans. Hein. Et en fait, qui représente une rupture quand même assez fondamentale par rapport aux façons de penser l'agriculture et la relation au vivant telles qu'elles existaient un peu partout à l'époque. Il y a que la permaculture va prendre d'emblée comme objet de réflexion l'agroécosystème, le système dans sa globalité, et les liens qui unissent ces différentes composantes, que celles-ci soient humaines ou naturelles. Donc ça, c'est le premier point, et c'est un point tout à fait essentiel. La permaculture ne regarde pas les mêmes choses que l'agronomie classique, par exemple. Ces différences de regard, elles vont aussi être des différences de préoccupation. La permaculture s'intéresse, comme son nom l'indique, à la permanence. Et cette idée de permanence, on pourrait aujourd'hui l'interpréter plus avec d'autres termes, qui sont plus d'usage plus important, plus fréquent aujourd'hui, que seraient durabilité et résilience. Alors durabilité, ça veut dire qu'effectivement, on est capable de maintenir un système sur le temps relativement long, en conservant l'ensemble des propriétés. Et résilience, ça veut dire que ce système qu'on va chercher à maintenir sur le temps long va devoir être capable de supporter des événements externes, par définition incertains. On ne sait pas s'ils vont arriver ou pas, on ne sait pas quelle va être leur intensité. Et donc la capacité de récupération du système, mais aussi d'amélioration progressive, d'adaptation, puisque le monde qui nous entoure est lui-même changeant, vont être essentiels en permaculture. Donc, pour résumer, la permaculture s'intéresse en fait à la résilience et à la durabilité des agroécosystèmes, en rappelant qu'un agroécosystème, c'est un système naturel avec des gens dedans. Voilà, pour simplifier. L'autre chose, c'est que la permaculture, en fait, naît historiquement. Mollison, Bill Mollison, qui va être quand même le père fondateur de ce terme et de cette approche, est quelqu'un qui a été très formé aux approches d'écologie fonctionnelle et de thermodynamique écologique qu'ont construit les écologues des années 60-70, et en particulier les frères Odum, donc Eugène sur l'écologie fonctionnelle et Howard sur la partie thermodynamique écologique. Et clairement, Mollison inscrit la permaculture dans une logique d'une compréhension thermodynamique du monde. Il y a l'idée que finalement, pour qu'un système tienne, un système vivant, tienne sur le long terme et résiste aux agressions diverses auxquelles il peut être soumis, il faut qu'il soit capable d'accumuler de l'énergie et d'en perdre le minimum. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'on accumule de l'énergie sans accroître l'entropie du système. C'est-à-dire qu'il faut accumuler l'énergie et en rejeter un minimum. Alors, on va en rejeter forcément si, dès lors qu'on est dans une activité, entre guillemets, commerciale. C'est-à-dire qu'on va sortir, on va exporter des matières, mais il va falloir que le système soit capable, parce qu'il capture lui-même de l'énergie en permanence, que la capture d'énergie faite par le système compense les flux d'énergie sortants qu'on va faire. Ça veut dire qu'on ne peut pas affecter l'intégralité du territoire que l'on maîtrise à la production et à l'exportation. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui servent finalement, dans le système permacole, qui servent à restaurer l'état énergétique du système ou à le maintenir en état. Les deux objectifs, considérer l'agroécosystème de façon globale. Chercher à en accroître, on va dire, l'efficacité à la fois du système métabolique, c'est le recyclage des éléments et l'accumulation d'énergie, et le système immunitaire, c'est-à-dire la capacité que les interactions entre composantes biologiques soient finalement favorables au projet de production, pour reprendre une expression classique des agronomes.
Ces trois dimensions-là sont finalement assez partagées avec tous les courants de l'agriculture alternative qui vont se dessiner dès les années 1910-1920, et en particulier la biodynamie, mais aussi tout le courant porté par des gens comme Albert Howard qui donnera naissance à l'agriculture biologique dans ses prémices dans les années 50-60 et même avant en Suisse, quoi. Donc il y a une parenté évidente. De la même façon qu'il y a une parenté avec l'agroécologie telle qu'elle va se dessiner à la fin des années 60, années 70, entre l'Amérique du Sud, surtout le Mexique, et les États-Unis, avec des gens comme Altieri, Glisman, etc., qui vont édicter des principes qui recoupent complètement ça, ou avec, dans d'autres contextes, le cas de l'agriculture naturelle de Fukuoka au Japon, c'est une agriculture dans laquelle on cherche finalement, par le recyclage des matières, à être dans des systèmes permanents. Et l'ensemble de ces modèles alternatifs, ils partagent ça, une vision systémique, holiste, l'idée que l'objet d'attention, ce doivent être les interactions entre les composantes biologiques ou non biologiques, et que l'objectif d'aggradation, d'amélioration constante, doit être central. Donc finalement, il y a une parenté de toutes ces agricultures alternatives qui fait qu'il est quelquefois difficile de les distinguer. Donc, qu'est-ce qui fait la différence de la permaculture par rapport à d'autres courants? J'aurais tendance à vous dire que c'est difficile à définir, mais pour moi, clairement, c'est la question de l'arbre. La place des arbres dans le système, comme accumulateur d'énergie. On va retrouver l'arbre dans d'autres approches alternatives, hein, mais sans doute pas placé autant au centre de la réflexion qu'en permaculture. Sauf que c'est un petit peu différent par, on va dire, les points centraux. Je pense que ce qui différencie la permaculture, par exemple, de Fukuoka ou de la biodynamie, c'est vraiment une approche thermodynamique au sens physique, académique, qu'on ne retrouve peut-être pas à un tel point dans les autres écoles qui insistent sur d'autres dimensions. L'autre point de différence, malgré tout, c'est le type de philosophie politique qui est sous-jacente. La permaculture se définit comme une forme de résistance à la société consumériste, à la société militariste des années 70. C'est-à-dire qu'on est bien dans la continuité du Club de Rome, des limites de la planète, contre la violence, contre l'impérialisme, contre la destruction de la nature comme instrument de guerre, etc. Et finalement, ce qui fait la différence avec les autres courants, c'est aussi le moment historique de son apparition et les préoccupations de ces moments-là. C'est clair que par rapport à l'agroécologie d'un Hernández Equis à Mexico ou de Toledo pour le Mexique ou de Patricio Montaldo pour le Chili, la vision politique, elle est extrêmement proche. Une différence quand même avec les agroécologues sud-américains et leurs héritiers nord-américains, c'est que l'agroécologie se construit comme une résistance à la révolution verte avant que d'être une résistance à la société consumériste en général. Quelqu'un comme Efraín Hernández Chocotzi au Mexique, c'est un généticien qui fait le tour du Mexique pour la Fondation Rockefeller pour trouver des variétés de maïs, qui les trouve et qui découvre les sociétés paysannes et qui découvre comment, lui et ses élèves, découvre comment finalement, en imposant un modèle prétendument universel et d'efficacité universelle, on déstructure, on détruit des sociétés paysannes. Et du coup, il va faire cette transition vers l'anthropologie, l'éco-anthropologie et les ethnosciences. Cette dimension des ethnosciences et du combat politique pour les populations indigènes, on va dire ça, ou simplement les paysans pauvres des Suds, est peu présente dans la permaculture au départ, tout simplement parce qu'elle naît en Australie, qui est un pays qui a déjà liquidé ses populations locales totalement, mais elle ne va se retrouver que sous forme d'inspiration
je dirais, poético à travers la lecture et la très grande connaissance que quelqu'un comme Mollison a des sociétés aborigènes. Mais le combat politique pour les sociétés rurales traditionnelles des pays en développement, on dirait ça comme ça maintenant, n'est pas aussi central dans la permaculture qu'il l'est pour l'agroécologie américaine. Et donc je suis impliquée dans un projet de recherche qui s'appelle Ecopiste, qui est un projet pluridisciplinaire, hybride, bon, je pourrais y revenir après si vous voulez, et où en fait on s'intéresse aux endroits où on essaye de faire société autrement aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique. Donc les endroits où on se dit, ben voilà, le monde ne va pas très bien, il faudrait qu'il change, et comment à ma propre échelle et à l'échelle locale de ma dynamique sociale, je peux essayer de faire levier pour qu'il change, en commençant par me changer moi-même et mes proches en fait. Voilà, donc un paysage alternatif très diversifié, bouillonnant, sur lequel il y a relativement peu de travaux scientifiques. Et donc on va travailler tous les aspects de la vie sociale, la manière dont on travaille, la manière dont on vit ensemble, la manière dont on gouverne. Et donc il y a une complexité de ces lieux, puisqu'on revoit finalement tous les aspects de la société. Et pour pouvoir étudier ça, ben un seul regard disciplinaire ne suffit pas. D'où l'idée de la pluridisciplinarité. Et puis l'idée du projet, c'est finalement de soutenir peut-être ces initiatives en amenant de la connaissance scientifique, mais une connaissance qui sera partagée et qui sera élaborée avec les acteurs. Et puis l'autre particularité, c'est que donc on s'intéresse à la manière dont les lieux communiquent les uns avec les autres, à la manière dont ils font réseau, dont ils se maillent, avec en arrière-plan la question de l'impact social. Est-ce que ça fait mouvement social? Quel est l'impact social de ces lieux et de leur connexion finalement? Voilà. Et dans les premières recherches qu'on a pu faire sur le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait ce phénomène de woofing. Woofing, c'est une forme de nomadisme où des gens vont comme ça se mettre en route et aller sur 1, 2, 3, 4 lieux travailler quelques heures par jour sans être rémunérés, mais avec l'idée qu'il y a un apprentissage qui se fait. En fait, c'est une forme de compagnonnage. Et on s'est rendu compte sur les premières études qu'on a pu faire dans ce milieu-là que c'était très très vivant, très dynamique, qu'on avait beaucoup de personnes aujourd'hui qui se mettaient en route, y compris des gens tout à fait... je dirais établi dans le système ordinaire, le système dominant, avec des emplois, gagnant bien leur vie et faisant comme ça des breaks, voire arrêtant et sortant du système en se mettant comme ça sur la route. Évidemment que l'approche anthropologique est fondamentale dans ce projet, puisqu'il s'agit d'aller étudier ces lieux et ces façons de faire société autrement de l'intérieur, et aussi sans présupposer de ce qu'on veut trouver dans ces lieux-là. Donc il y a une dimension, disons, phénoménologique au projet. En fait, les quatre premiers lieux qu'on a étudiés, dans lesquels je suis passée, se sont révélés chacun des mondes différents, avec même si des valeurs communes, évidemment, se dégagent fortement de ces lieux, ce qui fait cohésion dans les groupes peut être vraiment sensiblement différent. Et les manières de vouloir changer la société peuvent être aussi très différentes. Voilà. Donc ce qu'on sait d'ores et déjà, après cette première année d'études, c'est qu'il y a beaucoup à voir et qu'il faudra bien sûr aller plus loin. Et ce qu'on a vu aussi dans le projet, ça c'est quand même un résultat déjà, c'est que les personnes de terrain sont tout à fait partantes pour participer à ce processus. Il y a une attente que la recherche scientifique, les outils de la recherche scientifique soient mobilisés en fait pour aider ces collectifs ou les personnes qui sont impliquées dans les lieux à réfléchir et à comprendre leur impact. Voilà, donc il y a une adhésion assez forte au projet. Et donc ça veut dire qu'on peut, je pense, avoir des entrées assez facilement dans de nombreux lieux et avec une grande diversité. Après, la permaculture proprement dite, c'est un apport, à mon avis, décisif dans le mouvement de la permaculture tel qu'on le connaît, mais très distinct de ce que les Hollandais, Holmgren et, les Australiens, pardon, Holmgren et Mollison ont proposé, qui est plus un concept intellectuel, philosophique et moral très large, qui consiste, d'après moi, pour en poser une définition de plus, qui consiste à dire, bon, au point où on est rendu d'état de l'humanité dans l'ensemble, qu'est-ce qu'il y a à faire, et à répondre en disant, bon, ce qu'il y a à faire, c'est des systèmes agricoles qui puissent pourvoir aux besoins de base de l'humanité. Le besoin de base, c'est se nourrir, se vêtir, avoir les matériaux nécessaires au logement et à la vie courante,
l'énergie de base. Donc pouvoir à tous ces besoins de... Et tout ça dans un cadre social acceptable, et si possible, souhaitable même. Bon, donc tout ça sur la base du système agricole, indéfiniment durable dans le temps, le plus autonome possible par rapport à un secteur industriel qui est non durable par essence et fragile au point de vue sociopolitique de toute façon. Et tout ça, si possible, en bonifiant le milieu plutôt qu'en continuant de le dégrader. Ça ne me tracasse pas du tout qu'on me mette l'étiquette permaculture sur le dos. Celle-là, je la porte très volontiers. Pour moi, ça a été une source d'inspiration majeure, vraiment. Et je constate autour de moi qu'il me semble que ça irrigue la pensée contemporaine quand même d'une façon qui m'étonne moi-même et qui me réjouit, parce que vraiment, je trouve ça très, très intéressant comme fondement. Simplement se dire qu'on peut échapper... à la détermination des objectifs sociaux ultimes par le marché. Et qu'on peut se les reprendre en main nous-mêmes en choisissant un peu notre voie, quoi. Individuellement d'un côté et collectivement de l'autre. Donc pour moi c'est très important ça. Je pense que notre liberté d'individu repose sur un droit d'usage des ressources naturelles directes et sur une capacité de décision à l'échelon le plus bas, le plus individuel possible. C'est-à-dire entreprise artisanale, familiale, petite coopérative ultra-locale, voilà. Au-delà, ça ne me correspond plus. Et quelque part, la permaculture proposait des systèmes dimensionnés à échelle humaine, disons, aussi diversifiés que possible, en faisant jouer positivement les interactions, plutôt que de considérer qu'on ne peut pas être à la fois producteur de semences, producteur de tous les légumes, vendeur de tous ces légumes, etc., transformateur de tous ces légumes, alors que si. C'est le même métier, on peut parfaitement assumer toutes ces fonctions soi-même à une échelle individuelle, familiale, ultra-locale, en petite coopérative ou association. Enfin bon, et qu'au contraire, il y a une voie de rénovation de l'agriculture et peut-être d'émergence de quelque chose au niveau politique qui puisse... fonder le fonctionnement de systèmes sociaux stables et durables à long terme. Pour le chercheur que je suis, en fait, c'est intéressant de voir ce qui se passe avec la permaculture. Et quand on regarde les enjeux de la biodiversité au cours du temps, on peut dire qu'il y a trois grandes phases. Première phase, un enjeu où la biodiversité est vue pour elle-même, avec des enjeux de conservation. Et très souvent, conservation orientée sur des espèces emblématiques, patrimoniales. Par exemple, c'est l'éléphant, ça peut être l'outarde canepetière dans les plaines céréalières, donc des espèces emblématiques à protéger. Et ensuite, par une deuxième vision, c'était une vision plus utilitariste, donc, qui était celle d'une biodiversité fonctionnelle, ordinaire, qui rendait des services, enfin des fonctions et des services écosystémiques. Donc on ouvrait un petit peu là les enjeux. Le deuxième enjeu nous amène sur le ver de terre, sur les pollinisateurs comme la syrphe, etc. Donc une biodiversité ordinaire, mais qui rend des services à l'homme. Et aujourd'hui, on est sur des enjeux qui amènent une intrication plus forte entre biodiversité et homme. C'est-à-dire l'homme n'est plus considéré que comme extérieur à la biodiversité. L'homme, on réalise, je dirais, enfin, qu'il est, il fait partie prenante de la biodiversité et il dépend des autres organismes vivants qui sont autour de lui. Et on est sur des enjeux qui incluent, par exemple, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature, c'est une alliance entre l'homme et la nature pour répondre à des enjeux effectivement qui sont importants pour l'homme, ça s'appelle le changement climatique, la production de nourriture, etc. Mais avec un vrai partenariat homme-nature. Et donc ce troisième enjeu hein, qui est celui de repenser l'homme dans la nature comme une entité parmi d'autres par rapport à ce tissu vivant qu'est la biodiversité. C'est assez profond et c'est sans doute à la base des approches de permaculture et notamment des enjeux de reconception. C'est-à-dire, en fait, quand on dit reconception, c'est pas que reconception d'entités biologiques externes à nous,
En fait, la réalité, c'est une reconception, y compris de notre propre positionnement au sein de la nature et du monde. Et je pense que c'est l'éthique de la permaculture, c'est ça qui est au cœur, quoi. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour passer à des approches de type permaculture, il faut réapprendre des choses qu'on a largement désappris. La complexité, mais la complexité au sens des systèmes complexes. On veut oublier que le monde est un système complexe, habité de plein d'êtres vivants, d'organismes non humains, avec qui on doit partager le monde, et que par là même, eh bien, ces organismes interagissent et tout, et effectivement, ça génère de l'incertitude, des trajectoires qu'on peut pas forcément tout le temps prévoir. Donc en fait, les trajectoires de permaculture et d'agroécologie, c'est accepter le complexe, accepter l'incertitude et de travailler avec. Donc de refaire un partenariat, une collaboration entre l'homme et la nature, entre les humains et les non-humains. Ça ne veut pas dire, faut pas penser que c'est simple. Je pense que les gens qui font de la permaculture, régulièrement, ils ont des échecs. Et la force, c'est d'accepter l'échec, d'accepter l'incertitude, d'apprendre et de renforcer, de développer progressivement et positivement les collaborations homme-nature. Et donc, c'est, je pense, un enjeu formidable. Ça montre quoi? Ça montre que les enjeux de la biodiversité, de la permaculture, de l'agroécologie, sont des enjeux quelque part subversifs. Subversif, ça veut dire quoi? Subversif, quelque chose de subversif. On ne peut y arriver qu'en remettant en cause une partie du système, certaines règles du système importantes qui existent. Et bien là, c'est un peu ça. Je pense que si on veut aller vers de nouveaux systèmes, il faut leur donner leur chance, mais il faut aussi être prêt à remettre en cause, ou en tout cas à compléter les règles du système existant par de nouvelles règles qui autorisent une diversité de systèmes. Ça nécessitera de développer aussi une diversité de règles financières, de systèmes de gouvernance, etc. Et donc il faut changer ce type de règles pour permettre la diversification des systèmes de culture. Ce qu'on voit, c'est un retour en fait à la propriété, enfin un retour en fait à la ruralité et dans sa sobriété. Et aussi, je dirais, une tendance un peu à décrier le système capitalistique. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, on a, si vous voulez, le foncier devient très attractif. Les capitaux sont prêts à investir dans ce monde agricole. Donc eux, ce qu'ils cherchent, en fait, c'est sécuriser en fait leurs avoirs. Il y a de la défiance à l'égard du système bancaire. Donc ça, c'est le premier phénomène. Ensuite, il y a un autre phénomène. Je dirais, c'est qu'avec l'évolution de la société, la réduction de l'empreinte carbone, la volonté de se recentrer et de prendre soin de la planète, on a vu arriver des projets collectifs, mais où l'objectif de la valeur ajoutée à tout prix, ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était de vivre correctement de la production, simplement, et pas de volonté de revendre, de capitaliser à terme cette valeur ajoutée à travers le travail qu'on aura fourni. Petit à petit, on a vu émerger des nouveaux projets, et notamment les sociétés qui répondent au mieux à cet objectif, c'est les sociétés coopératives. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des producteurs qui ont chacun leurs exploitations dire nous, demain, on ne voudra pas revendre
la structure. Par conséquent, on veut partager ensemble une aventure humaine, une aventure, une dynamique économique. On veut générer de la valeur, mais pour autant, on considère que cette valeur, on n'a pas besoin d'en retirer les fruits à terme. Voilà. Et donc, ce qui répond le mieux à cet objectif-là, c'est quand même la société coopérative, qui, je le rappelle, est une structure qui a été créée en 1947 et qui revient au goût du jour et qui s'inscrit quelque part en faux avec le modèle coopératif comme on peut le voir actuel, de grosses structures coopératives qui n'ont plus cet attachement à le partage d'une aventure humaine et les valeurs sociétales d'aujourd'hui. Voilà. Alors, sur les différents outils qui vous permettent d'accéder donc au foncier, on a parlé du bail rural, mais il faut savoir que le bail rural, on en parle beaucoup parce que c'est un statut d'ordre public qui est très vieux. Et depuis, je dirais, 1938, ce statut du bail rural a faiblement évolué. Il a évolué en 2005 avec quelque chose qui est un peu une révolution dans le monde agricole, puisqu'on a créé ce qu'on appelle le bail cessible, qui est une particularité du bail rural. Et l'idée, c'était justement d'introduire un peu ce qu'on connaissait dans le monde du commerce et qui est son pendant, c'est-à-dire le bail commercial. C'est de permettre à un fermier de pouvoir vendre ce bail, puisque le bail, le principe fondateur de ce bail rural au départ et de l'agriculture d'après-guerre, c'était d'être incessible. Voilà. Donc, on a le bail rural classique qui est un bail de 9 ans, qui est un bail incessible, si ce n'est au sein de la cellule familiale, pour vous dire qu'on est encore dans cette idée de l'exploitation familiale. On a du mal à envisager l'exploitation sous une autre forme. Bon. Ensuite, on a le bail long terme, type 18 ans ou 25 ans. Donc le bail de 18 ans en fait se renouvelle, c'est un bail entre guillemets perpétuel comme bail de 9 ans puisqu'il se renouvelle de 9 ans à 9 ans. Ce bail qui répond entre guillemets au mieux aux préoccupations souvent d'un propriétaire qui a très peur du statut du fermage, hein, de ce statut dont on entend parler et qui est dissuasif, puisque c'est un statut d'ordre public dont on ne peut pas y déroger. Et notamment, ce qui fait très peur, c'est le renouvellement de 9 ans en 9 ans en 9 ans, et donc se dire qu'on va avoir perpétuellement un fermier sur nos terres. Et la première fois que j'ai travaillé sur un projet qui intégrait en tout cas des concepts et cette éthique de la permaculture, c'était un potager pour le ministère des Affaires étrangères. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en tant que paysagiste, j'avais une méthode, en fait, j'avais des outils qui me permettaient assez facilement de mener des projets de permaculture, mais par contre, qui me manquaient à en intégrer les concepts. Par exemple, intégrer plutôt que séparer, un élément répond à plusieurs fonctions, une fonction est assurée par plusieurs éléments. Donc, ce sont des concepts qui sont extrêmement intéressants, qui sont hyper faciles à comprendre individuellement, qui sont juste du bon sens, mais par contre qui sont extrêmement difficiles à intégrer dans un projet de paysage parce que ça demande de reformater complètement le logiciel. Donc c'est une méthode de projet où vous partez de besoin en connaissant vos ressources et vos limites pour concevoir un programme, vous observez et analysez un site, vous évaluez votre programme au regard de ces observations et puis petit à petit, en partant du global jusqu'au détail, vous allez dessiner puis implanter un projet. Donc ça, c'est la méthode. La méthode de permaculture va un peu plus loin, mais j'y reviendrai après. Et puis après, il y a la notion de design. Donc ça, c'était aussi une notion que je connaissais bien en tant que paysagiste, parce qu'un paysagiste, c'est manier des outils pour concevoir un projet ou un design, c'est-à-dire la coupe, le plan, etc. etc., etc. Et l'autre point commun,
Je pense qu'il m'a facilité le passage vers l'utilisation, l'intégration des concepts de la permaculture, c'est la notion de nature, c'est-à-dire qu'un paysagiste, en tout cas l'essence du paysage, du paysagiste, c'est de travailler avec la nature. Et la nature, c'est les plantes, c'est les animaux, c'est nous-mêmes. Et c'est aussi donc le paysage et le territoire dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire les dimensions écologiques, la dimension sociale, la dimension technique. Et pour en revenir à cette question de similarité entre la démarche d'un paysagiste et d'un permaculteur, donc il y a la démarche de projet, il y a la notion de design, il y a le fait de travailler avec le vivant. Il y a aussi des singularités qui sont ces principes conceptuels qui sont extrêmement importants. En premier, ça pourrait être d'aborder le projet, le design, comme un écosystème. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur un site, vous cherchez à créer un écosystème et pas n'importe lequel. Moi, je parle d'un écosystème qui est sain, équilibré et qui est capable d'évoluer. Aujourd'hui, quand on crée des systèmes, c'est souvent des systèmes qui sont linéaires, c'est-à-dire vous avez beaucoup d'intrants. Les intrants, c'est de la matière et c'est de l'énergie pour produire finalement très peu de matière en créant beaucoup de déchets. Et le design permacole, en tout cas ces principes conceptuels, sont nés de l'observation de la nature qui sont des systèmes en boucle. Donc vous avez peu d'intrants, vous avez peu de déchets et vous avez des éléments au sein de ce système, de ce design, qui sont interconnectés, qui échangent de la matière, de l'information et de l'énergie, et ce qui va leur permettre d'être extrêmement résilients. Donc ça, c'est des notions, je pense, qui sont intégrées partiellement par les paysagistes en fonction de leur sensibilité. Et le fait d'avoir cet ensemble de principes conceptuels, pour moi, ça m'a vraiment ouvert une autre dimension. Ça m'a obligé à faire évoluer ma méthode de travail, notamment pour intégrer ces principes qui vous ouvrent la porte vers la création de systèmes extrêmement complexes. Pour en revenir à cette question de conception, de reconception, ou de design, ou de redesign de ferme, quelle qu'elle soit, polyculture, élevage, pourquoi pas des grandes cultures. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les services écosystémiques. Et les services écosystémiques, ce n'est pas forcément de la tech, mais c'est plutôt ce qui nous entoure, c'est-à-dire le paysage. Ces services, ils sont là. Ils ont parfois été oubliés, ils sont sous-utilisés. Ils sont ancrés. Dans le paysage, ils sont ancrés dans le sol. C'est que vous regardez un paysage, vous regardez un territoire, il y a une topographie, il y a des différences de sol, de fertilité, de profondeur. Il y a des zones qui sont plus humides, d'autres qui sont plus sèches. Il y a des ripisylves, il y a des rivières. Donc ce paysage qui mélange le sol, l'eau et cette imbrication à créer et qu'elle supporte, donc la vie, les végétaux, les animaux, c'est des éléments qui sont aujourd'hui essentiels pour la pérennité des fermes, c'est-à-dire pour permettre de continuer à produire en se passant notamment d'engrais, de pesticides, de synthèse, et en essayant d'utiliser les ressources qui sont autour de vous et qui sont disponibles gratuitement. Et ces ressources, elles sont multiples. Faire un vrai et beau projet de paysage, c'était avant tout le faire avec les gens qui allaient l'utiliser, qui allaient le vivre, et surtout leur transmettre quelque chose pour que ce projet ils puissent le faire évoluer, ils puissent l'adapter, et puis qu'à leur tour, ils puissent transmettre ces notions de permaculture, donc cette éthique de la permaculture, qui est, je pense, une éthique aujourd'hui qui est fondamentale pour créer une vraie transition écologique, sociale et sociétale. Et cette éthique, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est vraiment les piliers de la permaculture. Et il y a trois notions importantes qui sont la première, le soin, le prendre soin des humains, prendre soin de la terre
Et la dernière, qui est de créer de l'abondance et de partager le surplus, ou, suivant les lectures, de réguler la population et de diminuer la consommation, ce qui est un peu plus difficile à aborder, en tout cas dans les débats publics. L'idée de la permaculture, c'est de revenir à des modèles agricoles qui étaient plus vertueux, qui fonctionnaient à la manière d'un écosystème naturel, en boucle, notamment le système agro-silvopastoral. Moi, aujourd'hui, donc j'accompagne des paysans à réfléchir à l'aménagement ou au réaménagement de leur système agricole. Et en fait, quand on arpente nos paysages français ou européens, hein, c'est des paysages qui sont jardinés par des générations et des générations de paysans. Donc c'est les paysans aujourd'hui qui ont construit nos paysages, quoi. Quand on est rentré dans la Révolution verte, on a un peu dépossédé les paysans de ce savoir-faire pour leur donner des directives, quoi. Donc ils sont devenus exécutants de conseillers agricoles, d'agronomes, etc., 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 avec des fiches techniques, des applications. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle, la place du paysagiste, c'est d'aider les paysans à retrouver ces savoir-faire, quoi, qu'ils ont perdus. Et je pense qu'aujourd'hui, si on souhaite répondre aux enjeux actuels, c'est-à-dire nourricier, nourrir les hommes, écologique, paysagistes et paysans ont tout intérêt à travailler ensemble, parce que les premiers vont apporter une méthode, vont permettre de transmettre cette notion de design aux paysans. Je pense que les deux doivent partager cette démarche permacole. Donc ça s'apprend, il faut se former. C'est pas intuitif. Il faut un peu se déformater pour réapprendre. Et c'est quelque chose qui est pas évident, quoi, qui demande du temps, qui demande de faire des essais, qui demande de faire des erreurs. On apprend beaucoup de ces erreurs. Et puis, je pense qu'une fois qu'on a fait ce petit chemin-là, bah, en fait, tous ces principes deviennent extrêmement logiques et extrêmement fluides. Et c'est impossible de revenir en arrière, en fait. Et je pense aussi que aujourd'hui, les paysagistes ont besoin de notions agricoles de base, donc de se renseigner sur les techniques agricoles qui sont le plus en pointe pour pouvoir les intégrer dans leur design et pour pouvoir dialoguer avec les paysans, parce que c'est une base. À un moment, on ne peut pas faire de projet sans technique. Et j'ai aussi compris qu'en insufflant de la beauté dans un espace, en lui donnant une qualité spatiale, sans renier sur les objectifs économiques, on pouvait construire une nouvelle forme d'agriculture, une agriculture qui prend soin des hommes et une agriculture qui prend soin de la terre.